Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4 de la Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir pour nous avoir, yon l'autre fois encore, pour nous présenter yon programme dans langue créole haïtien. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale dans le pays la France, en pile activité marqué 80e anniversaire D-Day, débarquement 6 juin 1944 là. Il y a un événement qui réunit un pile leader mondial parmi eux, président américain Joe Biden, président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ici en ce jour, monsieur le président d'Ukraine. Chancelier allemand Olaf Scholz, semblier premier ministre canadien Justin Trudeau. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée Israël touye plus passé 30 personnes dans l'école dans Gaza. Et puis dans le pays d'Haïti, premier ministre Gary Conny rencontré jeudi avec conseil présidentiel transition pour finaliser discussion sous formation cabinet ministériel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer dans l'actualité internationale. La grosse nouvelle là, c'est dans le pays, la France, côté en pile activité marquée d'idée là. 80e anniversaire débarquement 6 juin 1944 là et gain plusieurs leaders mondiaux qui fait déplacement notamment président états-unien Joe Biden gain et premier ministre canadien Justin Trudeau gain et chancelier allemand Olaf Scholz yo tout est là sans oublier président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sandra Lemaire te suivre pour nous et activité yo. Président États-Unis Joe Biden commémorait anniversaire D-Day, jour J, avec hommage pour vétérans. Il profitait occasion en tout pour souligner l'importance de l'alliance internationale. Freedom is worth it. Democracy is worth it. America is worth it. Lidi liberté vaut la peine, démocratie vaut la peine, États-Unis vaut la peine, monde là vaut la peine. Longtemps, longtemps, pour et pour tout temps. La guerre Europe là pas finie pas avant ou l'autre 11 mois. Mais c'est ici que victoire nous a commencé. Nous avons prouvé ici là que l'idéal démocratie nous yo plus fort parce que n'importe l'armée ni combinaison l'armée dans tout le monde là. Nous prouvons au bagage ici tout que personne pas qu'à craser l'unité alliée. The unbreakable unity of the allies. N'a pas rappelé que D-Day, c'était plus gros attaque amphibie dans l'histoire. What the Allies did together 80 years ago far surpassed anything we could have done on our own. Il dit ça, alliés, ils étaient atteints ensemble, ça gagne 80 ans de ça, aller plus loin longtemps, parce que ça nous était qu'à faire pour contre. Ça, c'est un exemple puissant de qui genre alliance, vraie alliance, rend nous plus forts. C'est une leçon où la prière américaine, Pape Jean-Blié. Pendant la cérémonie, le président français Emmanuel Macron te remet médaille Légion d'honneur à 11 vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pigou distinction pays la France. Messieurs qui recevoient médaille, te gain entre 98 à 104 ans. Macron beau chaque vétéran sous deux bords figure en vend les détachés médaille là sous yo. Yon nan moun ki te recevoir médaille, c'est un nèg qui relé Hilbert Morgol, qui te rejoint au bataillon Atiri qui t'a opéré dans l'Est, pays la France. Il était membre troupe américaine qui t'a libéré camp concentration d'Achoa. Face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire. Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Président ukrainien Volodymyr Zelensky et Madame Mitt est sous place tout pour commémoration. Ils ont recevoir un gros bravo dans le moment où ils sont arrivés dans la cérémonie. Monsieur écrit sur réseau X que c'est un grand honneur pour participer dans la commémoration ensemble avec le président. Il était ajouté que l'événement ça rappelait courage et détermination alliés qui ont gagné leur étape défendre la démocratie. Parmi l'autre leader qui était présent, nous joignent le premier ministre canadien Justin Trudeau. We must all continue to stand for democracy day in and day out.
Il dit faut que nous continuions à défendre la démocratie chaque jour. Nous devons génération dans l'avenir ça. Et nous devons femmes et garçons vaillants qui ont été uniformes l'année et puis faire un paquet de sacrifices pour protéger la liberté collective noire, ça tout. Nous pas qu'à oublier ça. Prince William d'Angleterre, t'es parlé tout. Ensuring the memory of those who fought for freedom lives on is why we've come together again today. To say thank you. Thank you for our freedom and thank you for your service. Merci pour notre liberté et merci pour votre service. Il dit assurer que nous honorer mémoire moun qui t'est goumen pour liberté nous, c'est raison qui fait nous rassembler comme ça aujourd'hui à pour dire merci. Merci pour liberté nous et merci pour service nous. Attaque d'idée là t'est en main avec avion force allié yo qui t'est lagué bombe sous troupes allemand yo dans Normandie. Après ça à peu près 1200 avions qui t'a transporté troupes arrivé. Avant soleil là t'est levé, force alliée yo t'est commencé bombarder force défense allemand yo sous côte la France et puis bateau de guerre t'est arrivé avec leurs troupes pour bailler renfort. Gain presque 160 000 troupes alliées qui t'est débarqué Normandie. Mais tout gain plusieurs milliers nan yo qui t'est mouri. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Donc c'est un pile activité cap marqué gros journée ça non seulement et jodi a mais cap continuer encore demain. L'autre point dans actualité nous parle dans région Moyen-Orient côté l'armée Israël lancé une frappe aérienne jeudi a sur l'école dans centre Gaza côté responsable la santé palestinienne fait qu'on est que 30 monde pour pipiti t'a mouri. Serge François Michel gè détail. France Défense Israël a dit combattant Hamas qui a participé dans l'attaque 7 octobre contre Israël comme servi à l'école là comme abri était dirigé à l'attaque terroriste la dernière. Bureau Hamas pour la presse rejeté déclaration Israël là. Il dit force israélienne a commis un crime brutal contre monde qui déplacé. Frappe la fête sous yon l'école qui en bas direction agence l'ONU pour réfugiés palestiniens à Nusirat. L'armée Israël a annoncé hier mercredi en commencement opération côté la frappe zone les visées. Tout près même zone nord, dans quelques parties dans Deir al-Bala, dans le camp réfugié Bourège. Hamas a lancé attaque terroriste 7 octobre sur Israël. Côté 1200 personnes ont perdu la vie, d'après chiffre Israël Tebaï. Et côté groupe là, prend à peu près 250 personnes en otage. Il y aura fait 120 personnes été dans Gaza toujours, malgré l'armée Israël l'a dit, 37 personnes mourir. Israël te répond à combattement à Katakate qui tuait 36 000 personnes pour plus petit dans Gaza, civils pour plus fort, d'après le ministère de Santé Gaza. Nations Unies, dans un rapport publié hier mercredi, avait dit que pour plus petit, 1 million Palestiniens pour arriver dans le dernier niveau grand goût qui existait, distance pour mi-temps mois juillet. Gros restrictions sur circulation manger, de l'eau, gaz, aide médicale, a fait situation en plus grave dans Gaza. D'après un rapport Programme Alimentaire Mondial, PAM, avec l'Organisation pour manger avec agriculture, FAO. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge. Et d'après dernier chiffre qui sortit, attaque défense aérienne, défense Israël là, et attaque ça t'a fait plus par environ 33 monde qui t'a mouru. Vous souvenez VOA Créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien. Actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny rencontre aujourd'hui avec Conseil présidentiel transition pour finaliser discussion sur formation cabinet ministériel là et rencontre ça au fait après qu'hier que conseil là t'est rencontré avec pays qui dit aux amis Haïti. Nous sommes sur place Yves Manuel. Premier ministre Gary Conny organisé un déjeuner de travail hier mercredi avec représentants divers ambassadeurs pays qui dit aux ses amis pays d'Haïti sans compter organisations internationales. C'était occasion pour Premier ministre là remercier solidarité sans faille amitié pays amis Haïti ça yo selon une note qui sortit en bas plume primati. Premier ministre là t'a profité occasion
pour parler de action prochain gouvernement dans le cadre accord 3 avril 2024 là qui chita notamment sur sécurité, relèvement social, économique, sécurité alimentaire et sanitaire, conférence nationale, état de droit, réforme constitutionnelle, organisation élection. Parallèlement, démarche pour formation cabinet ministériel là après possible. Après accord sur réduction quantité ministériel, conseil présidentiel là à Gary Conny réuni une autre fois encore journée jeudi dans villa d'accueil dans l'idée pour mettre dernière touche concernant publication d'ici week-end ça liste personnalité qui fait partie prochain gouvernement. Pendant temps ça, certains partis politiques applaudissent l'idée pour réduire ministériel dans une logique pour diminuer quantité dépenses l'état alors que il y a l'autre qui estime ministère conditions femmes et droits femmes, sans côté ministère la jeunesse, pas de faire partie de ministère qui pral dans l'autre ministère. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour Véroa Creole. Toujours sous situation dans le pays d'Haïti, eh ben, pays a souffri à insécurité alimentaire grave d'après un rapport que Nations Unies publié, programme alimentaire mondial pour Haïti, a essayé de faire toute salle capable pour répondre à la crise là, avec programme Yon Plat Chaud que yon bail chaque jour. Directeur programme alimentaire mondial pour Haïti a te parlé avec journaliste dans Nations Unies à travers un appel vidéo depuis Haïti. Nous sommes sous place dans New York, Valerio Saint-Louis. Nations Unies publié un rapport qui plaçait Haïti une autre fois souffrit insécurité alimentaire grave. Directeur programme alimentaire mondial pour Haïti a te parlé avec journaliste dans quartier général Nations Unies en New York à travers vidéoconférence côté que le dans cuisine centrale organisation programme alimentaire mondial là qui n'a Port-au-Prince. Il t'a expliqué volonté pour préparer plusieurs milliers de repas chauds chaque jour pour familles qui déplacées et qui n'ont abri. Jean-Martin Bauer t'a dit que pas gain famine en Haïti, mais t'a qu'à bien gagner Louis si sécurité pas améliorée et puis aide humanité a pas qu'arriver joindre peuple sans danger sans que négaza pas de tunnel, ni volel, ni attaquel. Yon avion avec aide humanitaire est arrivé en Haïti, m'a dit dans la semaine passée, avec 15 tonnes manger à provision médicale. C'était premier arrivage aide humanitaire dans le pays depuis 3 mois. Et yon espéré plus toujours dans quelques jours qu'ap vin la yo, d'après directeur programme aide humanitaire mondiale pour Haïti, Jean-Martin Bauer. N'a rappelé que l'aéroport international Haïti a été réouvri lundi semaine passée, 3 mois après violence gang yo te forcé autorité au femel. Plus passé 5 millions moun en Haïti a souffri dans insécurité alimentaire, avec 1,6 million là-dedans yo, qui dans catégorie moun qui dans situation d'urgence, ou soit dans insécurité alimentaire aiguë. Organisation humanitaire a essayé de faire tout ça capable pour répondre à la crise là. Programme Yon Plat Chaud que programme alimentaire mondial a dirigé, c'est un exemple ça. Jean-Martin Bauer t'a dit right now we've been able to use the stocks that we placed in position in Port-au-Prince. Kounia nous sommes capables d'utiliser stock provision que nous t'ai positionné dans Port-au-Prince là depuis avant crise là, mais ça y est pas assez. Nous optimistes que avec réouverture pour yo nous prêts capables d'importer marchandises sorti de yo et puis porter dans Port-au-Prince pour soutenir programme ça yo. Mais niveau stock l'autre acteur humanitaire yo t'est bas en pile et puis nous connaît tout que secteur santé a très affecté par stock médicaments yo qui bas qui disponible dans Port-au-Prince. T'ai gagné un gros déplacement moun. Dernière fois nous t'ai gagné un chiffre qui sorti dans Bureau international migration qui fait qu'on est que plus passé 360 000 Haïtiens qui sont obligés de quitter Kayo. Plus passé 100 000 là-dedans, qui quittent Port-au-Prince dans le mois de mars là seulement. C'est comme ça que tu as un gros exode sorti dans la capitale qui affecte spécialement zone 6 pays. Du côté qui a une infrastructure très limitée, ça qui fait que la crise la vine pire mal toujours. Rien que bonne nouvelle, nous sommes capables d'arriver dans la Cité Soleil. Une partie qui n'est pas accessible dans Port-au-Prince. Nous sommes capables de porter ration manger par 93 000 personnes, juste pour moi, mais dernièrement, nous sommes arrivés pour porter un vol cargo qui était dans l'aéroport Port-au-Prince, qui était fermé pour une période de temps qui longue. Nous sommes arrivés tout pour porter fournitures médicales importantes pour un pile partenaire, tant que UNICEF et OMS. Mais crise là, là toujours. Nous n'en commencement mois de juin. Nous connaissons que ça, c'est commencement qui prévoit qu'il pourrait gagner une saison cyclone très actif. C'est là que l'organisation humanitaire a besoin de paraître tête pour agir. Il a besoin de paraître tout pour supporter Haïti. Mais au moment que le risque a augmenté, nous avons tout l'autre facteur que nous avons gardé bien, avec un pile attention. Il y a la donne impact déplacement ça qui a continué. Nous connaissons que prix manger dans Port-au-Prince a augmenté de 27% depuis le mois de janvier. Nous avons rappelé que dans le mois de mars passé, le pays Kenya avec Haïti a signé un accord pour essayer de sauver un plan pour arriver à déployer 1000 officiers police en Haïti avec l'autre pays là-dedans tout. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York.
Merci Valério. Donc c'est un gros défi à côté de l'insécurité, un problème économique qui devant nouveau équipe qui apparaît pour monter sous pouvoir et correspondant à Port-au-Prince Massado Vimé a présenté un reportage pour nous par rapport à un grand chantier Conseil présidentiel transition. Défi qui attend pour voir tout neuf si là semblait pas petit. Côté gang qui a assiégé majorité côté dans capitale là depuis 29 février 2024 passé a pas quitté ville là sans conséquence. Gros la trouble nèg exam sa yo vinn faire en pile faculté l'état, tant qu'au faculté droit ak économie, faculté médecine ak pharmacie, faculté sciences, faculté odontologie pour citer ça seulement qui dans zone bandi contrôlée. Gagne tout plusieurs institutions publiques parmi au ministère intérieur pour se payer les côtes ak pigo centre hospitalier pays a bandi au pied ak une dizaine commissariat écrasé tout. Alors que dans plusieurs zones, groupe civil armé contrôlé, moun kapabwe, ces zèbres kap pousse là. Bon cathédrale qui te kon réuni plusieurs milliers marchands ak professionnels, presque tourné en forêt ak toute qualité plante kap pousse dans espace là. Dwe di ou tout, dans dernier rapport programme alimentaire mondial, PAM, mette dehors, fait qu'on ait gen 5 millions moun ki nan insécurité alimentaire, kote ou pa ka jwenn manje, ak plis passe 300 000 lot ki kite la kayo pou échapper en bas violence nèg ak zam. Yon Port-au-Prince ki pa gen kote pou moun plante menm yon epeng ti tèt ak fatra. Sityasyon si la yo, se prensipal rezultat fenomen ensekirite a. Selon espesyalis yo, peyi a bezwen an pil tan pou repare kantite de gaz nèg ak zam yo fe. Se nan konteks la, Premier ministre Gary Koni mande pou tout pitit nasyon mete tèt ansanm pou pèmèt la vi repran nan peyi a. Depi Port-au-Prince, mwen se Masiado Vilme pou VOA Kreyòl. N'a prêté toujours dans Port-au-Prince et n'a parlé politique réveil national à Calélio annoncé à partir de jeudi 6 juin 2024 là. Eh ben, y a travail contre nouvelle autorité haïtienne pour rapatrier sa yore les souverainetés pays d'Haïti. Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Vive la souveraineté d'Haïti! Vive le respect de la Constitution! Abat tout conseil qui a comploté Jean-Tel Joseph, coordonnateur général Réveil National ak Allié, en présence plusieurs dizaines leaders politiques ak leaders différentes organisations sociopolitiques qui fait partie structure la dirigea qui a annoncé à partir jeudi 6 juin 2024 là yo nan opposition contre nouvelle autorité pays. C'est pas peuple là qui choisit yo, c'est communauté internationale là qui impose nous yo. Est-ce que nous fiers de ça? Est-ce que nous fiers pour dirigeants nous ou ces étrangers qui choisissent nous? Qui ça n'a fait, n'a campé, n'a boumé pour nous faire respecter toi nous comme citoyens. Si, je veux dire, nous tous pas les campé, pour nous continuer à défendre toi nous pour garantir dans l'élection qu'a fait Dieu, nous qu'a saisi nous, nous nommer député pour nous. Yo nommé sénateur pour nous parce que yo prend nous comme un peuple qui nul. Et m'ba nous garantie équipe ça qui campé dans domne avocat voyant ça yo militant politique voyant ça yo femme voyant ça yo nous prend engagement pour nous combien contre étranger pour nous combien contre collaborer pour nous libérer pays. Jean-Tel Joseph dit yo ka bataille et yo prend bataille pour rapatrier souveraineté paysan pour pita papitrice pour peuple haïtien. Réveille à tout allié lio, le secteur revendicatif, le secteur religieux, le secteur vaudou, le secteur populaire et tout groupe qui ensemble avec nous, nous décréter la permanence politique pour nous montrer conseil, pour nous montrer si c'est où yo que Haïti gagne monde. Te gen plusieurs agents BESAP ak représentants secteur tankou consul évêque yo, secteur ouvrier ak divers lot. Se moun nan zone adjacente Port-au-Prince, Taba, Delma, Pétionville, Kinskov ak Port-au-Prince ki te présent pendant annonce mobilisation anti-équipe en place là. Renan Toussaint pour VOA Kreyòl, Port-au-Prince. Et puis toujours concernant pays d'Haïti, action déforestation pour défense environnement ARED organisé une journée réflexion dans l'occasion journée mondiale environnement dans la commune Trou du Nord. Donc c'était hier, Jodley Junior Saint-Ville, depuis Faux Liberté.
yo, désertification, résistance contre sécheresse, ARED, qui c'est action pour réforestation et défense environnement, organisé mercredi 5 juin 2024 là, yon journée réflexion dans la commune Trou du Nord avec plusieurs centaines de paysans. Objectif journée réflexion ça, c'était pour sensibiliser paysans yo sur conséquences changement climat sur environnement avec besoin qui gagnait pour changer comportement yo face à réalité ça. Castin Milosten, c'est coordonnateur action pour réforestation et défense environnement ARED. Au niveau ARED, nous organisons une activité pour sensibiliser moun yo sur dégradation environnement. Année ça un thème que Nations Unies choisi mais qui marchait avec problème terre, sécheresse et résilience. Nous avons organisé une activité ça pour que nous avons changé cible. L'autre année, c'est mon académique, étudiant à l'université, c'est professeur, leader communautaire, et puis élève NS3, NS4, nous avons invité dans des conférences. Mais année ça, nous avons organisé une journée de réflexion sur le problème terre, sur le problème environnement et garder comment le changement climatique l'a frappé et paysan yo, pour yo changer mode culturel, yo, pour yo changer attitude yo face à l'environnement. Monsieur Castin a possible pour le dire, c'était occasion pour paysan yo te réfléchir sur question de choukaïté qui gagne dans le département. Ak phénomène insécurité a ka frappé yo. Ces problèmes fonciers côté grand don, moun nan bourgeoisie ak moun ki gen pouvoir politique a volé te yo. Yo te gade question insécurité généralisée qui frappe yo. Castin Milosten déclaré, paysan yo pa découragé. Après rencontre là, yo te prend engagement sa yo. Gen engagement qui prend pour paysan yo récupérer terre que grand don, moun ki gen pouvoir politique ak pouvoir économique volé nan men yo. Et yo prend engagement pour yo changer comportement yo face à environnement. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Trou du Nord, pour VOA Creole. Et puis la question cinéma, gagnent Merylen qui a paré pour accueillir projection yon film que des Haïtiens fait en parlant de Kidnapping Inc. Et jodi a nous t'ai rencontré avec, nous t'ai accueilli dans studio nous, yon producteur yo qui c'est Gaëtan Chancy, l'a expliqué nous bonne nouvelle ça. Le lundi 10 à 7h20, nous avons l'opportunité de sélectionner nous dans DC Caribbean Film Fest. Et c'est un long débat. Et nous pas de film connaît parce que nous connaissons que Gampil Moon après Sundance qui tape un film. Nan. Et vendeur nous, parce que vous connaissez, dans le métier, c'est on, nous avons une équipe de monde qui charge de vendre film. Nan. Le fait que Tevin accepté l'opportunité, ça, le fait que moi-même, d'ici, moi, Tevin très content. Donc c'est à, j'aime t'as dit, à 7h20, lundi, là, cap finir, là, le 10. Mais ça, ça veut dire, par exemple, le Ougon film, ou c'est producteur film, non, avec Gilbert Mirambeau, ça, ça veut dire pour nous, le un film a passé et il a projeté le cinéma ici aux États-Unis, puis précisément dans Maryland qui à côté Washington. Bon, Ndaga dit, film, non, l'offre film, c'est pour Manuel. Donc, gain toute une stratégie, parce que nous-mêmes là, nous arrivons au stade côté que nous faisons première mondiale Sundance, qui sont très belles, Ndaga dit, publicité pour film, non. Qu'on y a un sacrivé, c'est que faut gagner des séries de monde qui, que nous signons un contrat de distribution pour que après ça, il y a les, il y a le vent de film sous différents territoires. Donc, le fait que ça a fait, bon petit temps qui prend avant que le bail ça au fait, donc, vendeur yo gon mod yon ti jan kembe bagay la ou pa vle la gèl trop. Donc mais même depuis film nan fin sorti gen pile moun kap ban nou pression gen pile moun ki vle wè film nan mais c'est piti n'ap avanse vers étape ça à côté que bon li pral disponible dans cinéma éventuellement sur des plateformes tout bagay ça. Donc là m'pense enfin le 10 là m'pense c'est première fois que un gros public haïtien pral wè film nan parce que Sundance c'est ton public Dakar dit de professionnels ou de moun zone nan. Donc film nan quand même son film qui a m'ta dit 90% créole bon petit point de français la donne. Je pense que malgré que nous essayons de faire ambition ou du moins une portée internationale, le film n'a été profondément haïtien, il traitait de problèmes haïtiens, de réalité nous. Donc, je suis très curieux de voir la réaction haïtienne devant le film. Nan. Donc, c'était Gaëtan Chancy qui s'est producteur et film Kidnapping Inc. N'a pas capable ouais intégralité interview ça sous VO Creole mais sous toute plateforme nous et donc restez branché pour ça. Donc, on doit toujours dans la question culturelle parce que moi, mais c'était moi, héritage culturel haïtien ici aux États-Unis et grand pile activité qui t'est marqué moi ça. Nous allons rejoindre Jude de Ranceret depuis État Floride.
C'est dans Air and Space Caribbean Museum de Miami que cérémonie clôture exposition Zèbre artistique haïtien pendant le mois de mai 2024 là t'est déroulé dans une séance débat sur problème artiste peint haïtien. Il y a un panel qui t'est là-dedans le poète, entrepreneur, artiste peint, professeur d'école avec activiste communautaire. T'est débat problème tant coup manque intérêt pour peinture par public là, fonds économiques pour artistes qui pas là avec tête ensemble qui pas existé dans parmi artistes. Dominique Amboise, qui était peinture exposée pendant un mois dans l'exhibition, a expliqué le problème qu'elle identifiait pour peintre haïtien. Nous-mêmes, en peintre en général, et nous n'avons pas capable de vivre tout le temps dehors. Nous avons un moment pour nous produire. Le moment de produire, nous avons exposé tout, mais nous avons des moments morts pour les artistes. Donc, il faut. Pour artistes qui vivent de Harley, faut gagner subvention, faut gagner aide. Bon côté parlé, Jimmy Moïse qui t'a organisé exposition, pas tout à fait satisfait. Oui, oupi, satisfaction, il y a double sens. En termes d'événement, en termes de participation de monde, oui. Et non, parce que poko gen tableau qui vend, parce que son exhibition d'art que lié, c'est-à-dire que moi je présente des artistes et artistes peintres. So, joie moi c'est à ouais que au moins gain yon ou deux peintures de artistes ayo qui vendent qui méritaient non seulement tout ça que yo passé pour yo venir pour yo mettre œuvre là pour prendre temps pour yo venir là. Ça fait deuxième exhibition que nous présenter, nous té gon ouverture, ça c'est closing là. Donc en gros, bon bilan mitigé, voilà. Yon l'autre côté, Jean-Jacques Stéphane Alexis, qui c'est un peintre et qui était participé dans le panel là, pas fait ou pas boire pour l'identifier, problème peinture. Bon, en général, peinture haïtienne, le problème que nous avons, c'est un problème économique. Et puis, il manque un côté pour exprimer, il n'y a pas de monde supporter. Il y a besoin, par exemple, côté pour faire exhibition. Vous comprenez? Des fois, on a rien pour choisir entre acheter peinture ou bien acheter manger. Pour nous finir, Elisabeth Guérin, journaliste qui joue le rôle modératrice dans le débat cérémonie clôture exposition peinture, l'Union fait la Fosta, identifié aspect positif et négatif pour peinture haïtienne. Alors, il y a un pile bon bagage que nous retenu. D'abord, volonté nous, pour positif, là, pour négatif, là, nous pas structurer et organiser assez. Et ça, c'est problème nous, en général, nous-mêmes haïtiens, nous avons un pile bonne volonté, nous avons un pile talent. Mais nous pas organisé, nous pas structuré. Et c'est sous ça pour nous travailler. Non, Pam, c'est Jude Deroncé pour VOA Creole, Miami. Merci, Jude Deroncé. Et c'est avec dernier reportage ça que nous pourrons mettre fin dans le programme aujourd'hui. C'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et gros nouvelle là, au niveau international, c'est 80e anniversaire, ça a été dit jour J, c'est 80e anniversaire débarquement qui était fait 6 juin 1944 et un paquet leader mondial qui fait déplacement, gain premier ministre, gain notamment gain président américain et Joe Biden, gain premier ministre canadien Justin Trudeau, nous t'étendez et dans le reportage Sandra Lemela, t'es gagné et tout Volodymyr Zelensky qui était là tout qui c'est président ukrainien. Et grand pile mon spécialiste cap signalé tout l'absence de président russe Vladimir Poutine. Donc c'est depuis nous voyons que président américain Joe Biden lui-même lui fait plusieurs discours. Jodi a fait un discours dans occasion joie même 6 juin et il était déjà fait un discours avant ça. Donc c'est un gros point cap dominé actualité à au niveau mondial semble attaque ça que équipe défense l'armée défense Israël fait dans Gaza côté gain plus passé 30 monde qui perdu la vie. Ça c'est dans yon l'école. Donc et puis gain pour ces petits garçons président américain et petit Joe Biden en parlant de Hunter Biden qui a continué pas boy ici. Mes amis, c'est ton plaisir pour nous te servir. Nous voulons remercier Hélène, Nelson Samblier et stagiaire Jared Williams qui tout nos superstar boy ici dans Washington DC qui est avec nous et nous bien content que l'avec nous. Nous remercier Fred Kaimit qui est avec nous dans Washington pour deux jours et puis Samblier chef pupitre là Jean-Marc Hervé Abela. Moi-même moi c'est Jacques Lambelizer cap casse rendez-vous avec nous demain. Kembela, Palagé, donc à demain. Bon, la société, comment nous y est? Content bon avec nous aujourd'hui dans l'émission Carrefour Vérité avec collaborateur MDZ Venesse qui nous va continuer à parler problème pays.
Et nous connaissons très bien ces questions au conseil présidentiel avec PM Gary Kouni, dans la question au régime ministère, dans la question posée à l'action pour bandits armés, et permettre que la vie capable de prendre, c'est ensemble de points sérieux. Nous prenons la question, nous allons analyser avec invité nous qui sont ensemble avec nous, et qui avec nous en direct, nous sommes capables de dire ça clairement. Désir, comment est-ce que avant que nous venions avec invité? Nous sommes contents de rejoindre dans l'idée pour venir chita dans le temps froid pour parler toute vérité à nos amis internet tout partout qui brancent mais sa nouvelle blaze info pas une nouvelle vente calbas info racine nouvelle Haïti parce que monde ça yo addicté pour connaître ça qui passe dans le pays. C'est pour ça que nous entendons dans toute dernière émission actualité il faut que nous garder avec monde qui a bataille ou bien qui t'a bataille qui toujours a bataille pour venir parler avec peuple haïtien pour montrer essayer l'espoir tout bon vrai puis retourner en dans pays à l'espitesson. SDP frappé. André Michel mandé à tout parti politique yo pour yo bay Gary Kouni une chance pour capable monter gouvernement pour contre André Michel André Michel passé yo désir. M'se passé yo. Bon la coupe Ariel Henry. Faut next suspend a marcher avec enveloppe jaune. Faut next suspend rete devant barrière El Rancho pour avoir les Gary Kouni a sorti. C'est ça que André Michel déclaré pour cette sorte de situation paraît très difficile dans tout dernier moment en pile pression bon côté secteur et information qui fait quoi que Gary Kouni dit que sur 18 ministères là il pas continuer à blesser personne il bail en pile problème dans niveau conseil et présidentiel transition parce que en pile nèg qui sorti dans des structures dans des organisations dans des partis politiques qui gagne des militants qui a prétendre en bagaille qui pensait que t'as pas joindre un ministère et ben bagaille capable chavirer blesser personne pas oublier journée 5 juin qui s'est passé là. C'était journée internationale de l'environnement diverse et direction départementale qui lie avec agriculture organisé et y ont ensemble d'activités respectivement dans département de la Tibonite avec département et centre et Grand'Anse et spécialement agent de Sapio et c'est galé songez que vous gagnez y ont même comme responsabilité de protéger environnement donc vous parlez des agents de Sapio y ont fait gros activité pour journée cela blesse personne nous pouvons regarder question et diverses rencontres qui fait entre conseil présidentiel yo avec Gary Kouni déjà avec divers acteurs qui a cherché rejoindre pour connaître est-ce qu'il a fait il a fait partie du gouvernement qui pral monter nous pral regarder avec yo invité comment comprendre ensemble démarche qui a fait là yo est-ce que li pas senti li même bon côté parle li lesé vini Gary Kouni qui soutient dans international après 12 années pour venir premier ministre surtout avec ensemble annonce qui a fait là yo est-ce qu'elle sentit dans les dents c'est invité qui pral dire nous blesse personne c'est Liska Jean-Élisée comment est-ce que ou c'est invité nous jeudi comment est-ce que mon cher, nous là, Blaise Peterson, nous là, toute l'équipe de cette émission, nous saluons Désir Vénès, et ainsi que population haïtienne, non, internautio, qui toujours fait le devoir pour que vous participez dans grand espace ça. Moi, content ensemble avec nous, permettre que me saluer ensemble dirigeants, sympathisants, organisation politique Chemin de Livrance Haïti, qui eux-mêmes, ta bataille, pour que transition ait été arbitrée par un juge de la Cour de cassation et qui t'a pas permis que nous mettions sous pied un gouvernement d'entente nationale avec des ministères réduits qui t'a permis que nous réaliser transition. Donc, je dis, ce n'est pas des massas, c'est conseil présidentiel qui gagne dans tête gouvernement le docteur Gary Kouni. Donc, nous prenons acte de ça et nous pensons que. Nous pouvons regarder comment nous sommes capables de payer à sortir dans ce lien. Et bon, regarder ça avec vous avant même venir avec PM Gary Kouni. Bon, regarder le conseil là avec vous avant. Déjà, plus passé un mois que le conseil là est installé, on dit de 25 avril à 25 mai. Et je dis à nous, dans la zone 6 juin, tout le monde 5 à 6 juin. On bilan pour même déjà un mois et le conseil là, ça le tapis. Bon, et on bilan pour le conseil là, c'est. 5 sur 10, puisque et maladroitement yon arrivé, yon gen tout privilège yon. Bon, même lorsque c'est sous la pression du blanc, yon arrivé permettre que yon premier ministre qui émane de yon, même lorsque c'est controversé. Mais cependant, il nous reste beaucoup à faire, puisque dans un mois, on aurait pu penser que le conseil présidentiel a établi l'administration du Palais national, c'est-à-dire le secrétaire général du Palais national, ainsi que le secrétaire général du Conseil des ministres, et qui va permettre que, de concert avec le nouveau gouvernement, il va aller beaucoup plus rapide. Mais cependant, il n'est pas là, il n'est pas là, mais quand même, et nous pensons qu'il faut un petit effort
et nous-mêmes nous devons continuer à frapper mais pour que yo aille beaucoup plus rapide parce que il y a péril en la demeure et population haïtienne n'a pas attendre encore. Il n'y a pas attendre encore mais regardez comment que chaque conseiller yo même qui fait une répartition de travail de domaine ou bien de champ ou bien de chantier à eux-mêmes est-ce que ouais l'entendez ensemble de conseillers ça qui répartit soit dans santé dans justice dans éducation bien dans sécurité est-ce que ouais répartition travail qui dit yo même point en charge non pour eux-mêmes ou est-ce une bonne répartition mais est-ce qu'on attend que répartition ça apporte résultat pour eux-mêmes. Bon, ça va dépendre de qui ça nous pense des résultats, dans la mesure où, et nous-mêmes dans le chemin de délivrance Haïti, nous avons toujours cru que, manche transition ça, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, tout le monde qui a bien pour prendre pouvoir, c'est rassurer que vous facilitez la libre circulation via bien dans le pays, et prendre disposition pour élection organisée. Parce que en dans un régime démocratique, c'est l'alternance du pouvoir et l'alternance du pouvoir se fait à travers des élections. Donc nous parlons 8 ans depuis pays à organiser des élections. Donc c'est une abomination pour la démocratie, c'est une abomination pour l'État côté que cette transition manche longue cap menel. Donc nous-mêmes nous voulons aider pays à sortir notre transition manche longue ça. Parce que nous pas de gens qui fait aucune coopération internationale avec aucun pays dans le monde là, avec aucune entité dans le monde là, en dans un gouvernement de transition. Donc, pays a un paquet de revendications, pays a un paquet d'attentes, mais monde qui est capable de combler l'attente, ça yo, c'est un monde qui sorti dans l'élection, qui légitimement et constitutionnellement élu. Donc, dans ce sens ça, qui prend ministère, nous t'a toujours souhaité que ministère ça yo, yo posé des actions en dans période de transition pour population. Yo moun pran ki prend ministère de la santé publique. Nous t'a aimé en dans période de transition parce que l'État a pas campé, li mette disponible pour reste population. Ainsi que le ministère des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la planification, des travaux publics, etc. Nous t'a aimé ministère ça yo, disponible pour faire service population. Mais cependant, nous connaissons dans période de transition, depuis c'est des groupes politiques qui prend pour pouvoir, pour un ministère, c'est pour faire service secteur politique, c'est pour satisfaire caprice groupe politique. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous pas attendre nous à quelque chose. La seule chose, nous t'a souhaité que transition ça aboutir à des élections transparentes et démocratique, et c'est dans ce sens-là nous avons la bataille pour le pays arriver dans cette situation. On regarde ce désir avec nous-mêmes, parce que le désir va avancer avec deux questions. Tout, nous allons venir sur la question de la question, parce que le désir va venir sur les tout, mais le désir, on regarde avec vous et en face de la question pour vous. Monsieur Seliska Jean-Élisée, on essaie donc de regarder le modèle de situation que le pays a pratiquement connaît, qui pourrait faire face avec une question des présidences tournantes. Premier président pratiquement guetta gagné, puisque au moins, depuis il prend fonction, ou dit que au bayo 5 sur 10. À partir de qui ça? À partir de qui ça que ouais ou fait qui permet que au bayo 5 sur 10 que vous dit que au bayo parce que problème insécurité a toujours été même pareillement et en pile violation qui lié avec accord politique qui était entre yo qui était lié entre date 3 avril 2024 là pour jusqu'à présent c'est retour qui a fait une parité statique dans ça qui pour avec accord politique yo c'est toujours une discussion dans mitan yo. Qui ça permet que au bayo 5 sur 10? Merci, Désir Venès, pour la question, qui c'est une très bonne question avec beaucoup d'élégance. Mais elle me permet que moi, qui ne pas comprendre ça, n'a pas parlé là, qui c'est politique. Au moins, il y a un petit lossière compréhension. Il y a développé un petit lossière compréhension pour comprendre ça, n'a pas dit là. Pas oublier que nous, on est dans un gouvernement de transition. Nous, pas gagner à espérer là, en termes de développement, pas le fait là. En le gouvernement de transition, c'est rétablir situation sécuritaire pays a prend disposition pour faire des élections pour permettre que pays a des dirigeants légitimes et constitutionnels. Et maintenant, il y a un mois, conseil présidentiel là, avec toute tractation, toute contradiction interne que le gagne. Donc, il était supposé mettre établi façon mode de fonctionnement, institution par les nationales et la primature. C'est vrai que pour établir tout le monde ça, yo, mais je dis à yo goumen, dans la bataille, yo mette premier ministre.
Pas oublier que c'est pas conseil présidentiel là qui parle de sécurité, mais c'est plutôt gouvernement à travers CSPN là qui va diriger par premier ministre. Donc si on mettait premier ministre là et premier ministre qui est à fond pas plus de ces de ces CPTA, lui nommer chef cabinet, lui nommer secrétaire général de la primature. Kounia, c'est Palais national qui vient pour nommer le secrétaire général du Palais national et le secrétaire général du Conseil des ministres. Et à partir de ça, il y a pas le fait un conseil des ministres spécial pour commencer à prendre disposition sur comment il a agi, sur qui grand axe il a agi et qui façon va permettre que s'il a changé de directeur général de la police là, commandant chef de l'armée, et puis dans le conseil des ministres, il a fait, là, ça a commencé à embarquer. Mais un fait est certain, il a fait plus gros pas qui se permet que bon chef de gouvernement qui est établi, et à partir de chef de gouvernement, nous espérons que à partir de ce week-end, à partir de la semaine prochaine, a gagné toute liste non mounio qui est disponible pour capable passer à cérémonie d'investiture et installation, pourquoi pas. Et à partir de ça, les ministres seront bel et bien au travail. Les salles vont commencer à prendre disposition pour convoquer les directeurs généraux, les missions diplomatiques pour capable faire le travail là. Mais cependant, ils ont fait plus gros pas qui s'est facilité l'installation ou l'arrivée à la primature de premier ministre. Monsieur Seliska, ou pas imaginer que le pays a pris une situation qui est capable de beaucoup plus difficile. Là, on gagne 4 mounes à raison de 5 mois et une qui a fait 6 mois et comme coordonnateur ou bien président conseillant. Il y a chaque cap venu avec échange à travers le ministère, soit cap venu avec le gouvernement par eux. Pas estimer qu'on va les pencher sur tête pays, dans l'initiative ça, là nous connaît que chaque conseiller qui fait partie conseil présidentiel transition, il est sorti dans un parti politique différent, sans doute qui a préparé l'élection qui a venu. Chemin de l'Église, vous pas jamais habite à piller au bagaille, comme ça, et monsieur Blaise, avec auditeur, auditrice, capitaine de nous là. Nous pas jamais supporter un bagaille comme ça. Puisque, société à tout pays, Machiavel dans le prince de la politique gain moralité. Tout pays gain valeur, gain norme, gain mythologie à défendre. Nous allons défendre ça. Nous-mêmes nous pensons au niveau chemin de délivrance, démarche pour entrer dans la présidence tournante, ou bien présidence mourante, ou bien présidence marchande, c'est ça nous t'a capable le chien à boire, mais la caravane passe. Pas gagner de avenir dans ça. Et pas grand quel monde dans la société à quoi supporter un bagage comme ça. Comme sénateur Galé Blanc fils lui-même qui a besoin permettre que le premier ministre qui est installé, lui peut être d'accord avec eux, mais qui laisse monde qui va d'accord avec un bagage, une bêtise comme ça. Si nous acceptons avec, c'est que nous parlons d'accord que si monsieur Damio pas fait élection pour permettre que 7 février 2026, le premier ministre qui est installé, le président qui est installé, mais monsieur Bral capable de sortir un bon matin pour résolution. Il a prolongé le mandat d'ailleurs. Même Jean-Noël Ariel te fait là. Et il n'y a pas grand quel secteur dans le pays qui est d'accord, qui paraît pour une bêtise qu'on s'en fait. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter démagogie, nous ne pouvons pas supporter bêtise. Nous déjà prenons la virée, nous déjà prenons des bagailles que le pays n'a pas jamais reconnaître qui sont conseils présidentiels à neuf ou nadan, qui ont un privilège ou pas qu'il y a des bagailles dans le pays. Mais nous ne pouvons pas continuer à supporter des bêtises. Et nous croyons que ça, encore une fois, c'est la même démarche. Le chien à bois, mais la caravane basse. Pas grand qu'un avenir dans ça, et la population ne peut pas supporter la gagne ça parce que vous connaissez, les capables de mener pays dans une situation difficile. Et si vous avez, vous pensez que, il y a coupé l'aide humanitaire, il y a mis au dehors, même la communauté internationale qui va pouvoir chasser, parce que la communauté internationale, il y a pour l'un-là, que le vote là, avec tout pouvoir, plein pouvoir, que le docteur Garikoni à la tête de la primature. Selon vous, vous pensez que Gary Kony est capable de délivrer marchandises après 12 ans qu'elle saute passer de l'an? Tout à dit, à travers vote qui fait à travers le Conseil présidentiel de transition, c'est presque à l'unanimité qu'elle est passer comme Premier ministre. Et Gary Kony, elle a quitté la primature, dans le petit bas de bouche qu'elle a gagné, elle a dit qu'elle ne peut jamais tourner dans le job de l'État encore. Et je dis, elle est venue comme Premier ministre. Ou pas estimer gain incohérence pour côté et Gary Kony dans une déclaration comme ça venir comme premier ministre sans dire que la casse du pays. Bon. Pour me répondre première manche question.
Marchandise pour délivrer, c'est qui marchandise? C'est faciliter l'hypsie.